Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble faire ce carré, ce granit très particulier, 3D, voyez, avec cette fleur qui ressort sur le granit. Donc un granit à trois couleurs, donc c'est une proposition de couleurs, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. J'ai utilisé trois couleurs. Dans la vidéo, je parlerai de la couleur numéro 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. De la plus claire à la plus foncée. Voilà, donc je pense que aussi, si vous devez choisir d'autres couleurs, choisissez vraiment de la plus claire à la plus foncée pour avoir ce rendu. Pour votre information, avec un crochet 3,5, j'ai 18 cm de côté. Voilà, à peu près. Les utilisations sont multiples, vous savez, vous pouvez faire des plaids, vous pouvez aussi commencer à faire des écharpes, c'est-à-dire que le granit est en fin d'écharpe et vous continuez tout droit. Voilà, vous avez vraiment beaucoup d'utilisations pour ce granit. Je voulais vous montrer l'envers qui est pareillement splendide. Voilà, avec de la 3D, puisque cette fleur qui ressort sur le devant. Voilà le granit que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. En ce qui concerne le fil, j'ai utilisé un fil que j'avais à disposition. Vous trouverez des acryliques, par exemple le Baby Yarn chez Aline Crochet, qui se prête tout à fait à ce granit, donc avec de multiples couleurs. Voilà. Aussi acrylique et coton, des fils acrylique coton. Voilà. Je vous laisse tout de suite au pas à pas et j'espère que ce granit vous enchantera. Alors, avec votre couleur, votre première couleur, nous allons faire donc ensemble un nœud magique. Alors, vous prenez votre main gauche comme ceci ou votre main droite si vous êtes gaucher. L'index et le majeur. Vous faites comme ceci, vous bloquez avec votre pouce et ici vous croisez. Vous bloquez le petit croisement avec votre pouce, vous passez par-dessus et avec votre annulaire, vous bloquez comme ceci. Le crochet, vous allez le mettre tête bêche, vous passez en dessous, vous tirez le fil de gauche comme ceci. Là, vous pivotez. Vous voyez, vous êtes comme ceci, vous pivotez et vous allez attraper ce fil pour faire une boucle. Et comme ceci, vous serrez et vous avez un nœud magique. Ça veut dire que quand je vais tirer par là, le nœud va se refermer. Alors, vous allez faire à l'intérieur 8 brides. La première sera faite de 3 mailles en l'air. Donc, à l'intérieur du cercle, 8 brides. Vos 8 brides ont été faites, hein, donc la première 3 mailles en l'air, 8 brides. Vous allez tirer la boucle, vous tirez le fil comme ceci, vous refermez bien le nœud magique et nous allons faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air, nous faisons une maille coulée pour refermer. Là pour refermer le cercle. Voilà. Et je serre bien comme ceci. Et là, je dois déjà changer de couleur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper un fil. Alors, déjà, je vais couper le fil comme ceci. Une maille en l'air et je serre. Je vous conseille à chaque fois que vous changez de couleur de procéder tout de suite au fil que vous cacherez et vous coupez à ras. Parce qu'après vous allez vous retrouver avec plein de fils de couleur
Et il faudra, alors là, nous avons le fil du début. Donc, pour cacher les fils, vous prenez une aiguille. Voilà, et vous passez dans les points. Donc, ça, c'est un conseil, parce qu'après, vous allez vous retrouver avec ce carré. Il faudra cacher tous les fils de couleur. Voilà. Et là, ici, donc là, le fil... Alors, une aiguille à laine, je vous conseille des aiguilles à laine en métal. En plastique, c'est pas très très facile. Alors, j'ai cette petite enfile aiguille, vous voyez. C'est très très pratique pour les aiguilles à laine. Alors, donc, je serre bien et là, je vais passer à l'intérieur de la bride. Ici. Et je repasse à l'intérieur. Voilà. Donc, vous cachez de façon discrète. Et là, nous passons à la couleur numéro 2. Alors, nous sommes au rang numéro 2 et nous passons à la couleur numéro 2. Alors, nous raccrochons comme ceci. Ici, vous allez faire, voyez, vous faites une maille, comme une maille chaînette, et vous serrez, comme ceci. Ensuite, vous allez vous raccrocher dans une bride. J'ai zoomé exprès, donc vous voyez ici cette petite boucle. Vous vous raccrochez donc dans la bride, comme ceci. Et vous allez répéter donc une séquence que je vais vous dire, je vais vous indiquer. Donc vous tirez, donc vous vous mettez comme ceci et vous tirez le fil. Et comme ça, vous vous êtes raccroché. Vous voyez, vous tirez le fil et dans votre boucle, vous la fermez. Alors, vous allez faire 3 mailles en l'air. Ici, vous allez faire dans le même point une bride à moitié. Donc, vous piquez, vous ramenez deux boucles et vous laissez en attente. Et une autre bride à moitié, jetez, vous piquez, vous ramenez deux boucles. Et là, vous avez 3 boucles sur votre crochet et vous éliminez les 3 boucles. Donc, c'est un groupe de 3 brides reliées par le sommet. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, vous refaites ces 3 brides. Donc là, comme nous venions de commencer, c'était un petit peu, on va dire, différent. Donc là, maintenant, on va voir ce que vous devez faire réellement comme point. Donc, un jeté, vous piquez. Vous ramenez une boucle, un jeté, vous éliminez deux boucles et vous attendez. La bride suivante, jetez, vous piquez, vous ramenez, vous éliminez deux boucles. Jetez, vous piquez, vous ramenez, vous éliminez deux boucles. Et là, vous faites le jeté et vous éliminez tout en même temps. Donc ça, c'est une séquence à répéter. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous piquez dans la bride suivante pour refaire ces 3 brides reliées par le sommet. Donc, elles sont comme ceci, voyez. Et voilà. Donc, vous continuez, vous séparez par 3 mailles en l'air. Au total, vous avez 8 blocs. Le rang numéro 3, donc vous prenez votre troisième couleur. Vous devez vous raccrocher. Donc, vous faites comme ceci. Vous serrez bien ici. Nous allons nous raccrocher et dans chaque, ici, dans chaque arceau vide, nous devons faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, je vous montre ici. Voilà, donc je commence comme ceci. Donc, 1 et 2, voyez, 1 et 2. J'ai fait une petite maille serrée là pour commencer. Donc, ça, c'est une bride, 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides dans chaque arceau. Vous passez directement
un arceau suivant, sans maille de séparation, sans rien du tout. Vous passez directement deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Vous continuez cette séquence et vous faites une maille coulée ici au début. Vous coupez le fil et on se retrouve pour le rang numéro 4. Alors, nous sommes au rang numéro 4 et nous reprenons la couleur numéro 1. Et nous allons faire comme ceci. Nous allons nous raccrocher, vous allez voir. Nous allons nous raccrocher ici au sommet. Donc, nous descendons d'un rang. Nous allons nous raccrocher au sommet des fameuses 3 brides ensemble. Donc, nous allons faire comme ceci. Voyez, vous raccrochez, vous allez prendre le fil, vous tirez et vous êtes comme ceci. Voyez, et là, vous faites une boucle, c'est-à-dire comme une maille serrée. Enfin, vous faites deux, vous prenez comme une maille serrée et une maille en l'air. Donc, ça, c'est pour vous raccrocher. Ensuite, vous allez faire 1. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous sautez tout ça et vous faites la maille serrée allongée. Donc vous piquez, vous ramenez, vous tirez parce que vous devez bien sûr vous remettre à la même hauteur, vous ne serrez pas et vous faites un jeté et vous éliminez. Voilà ce que cela donne, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On est souple, hein, on ne serre pas, on est bien souple, on saute tout ça, on va au sommet des 3 brides, on tire. Et voilà. Et donc vous allez répéter la séquence. Vous faites une maille coulée ici. On se retrouve donc pour le rang numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici et on tire. Hop là. Et voilà. On se retrouve à la fin et nous partons pour le rang numéro 5. Alors, pour le rang numéro 5, nous gardons la même couleur. Nous gardons la même couleur. Et vous allez faire comme ceci. Vous devez faire des brides. Et quand vous trouverez les fameuses mailles serrées qui ont été prises de rang précédemment, nous allons les faire en relief. Donc là, comme nous devons commencer comme ceci, vous faites, vous enveloppez par devant, comme ceci, la maille serrée. Alors, j'ai le fil du début qui me... Voilà. Vous enveloppez par devant et vous faites une bride. Vous enveloppez et vous faites une bride. Donc, vous avez du relief pour le début. Ensuite, ici, vous faites 5 brides puisque nous avions 1, 2... 4 et 5. Vous voyez, nous avions... Et ici, vous faites une bride enveloppée par l'avant. Vous passez le crochet comme je viens de vous montrer. Voyez, cela donne un relief. Donc, on va recommencer ensemble. Je vais prendre un peu de fil pour vous montrer et je vais zoomer. 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, voyez, vous faites comme ceci.
et vous enveloppez pour donner une idée de relief ici. On se retrouve à la fin du rang. Donc, à la fin du rang, nous changeons de couleur. Donc là, nous avons fait deux rangs avec la même couleur. À tout de suite. Alors, pour terminer, donc vous faites une maille coulée ici. Nous allons changer de couleur, mais je voulais vous montrer. Donc là, je coupe mon fil. Et là, je vais après m'empresser, après la vidéo, de couper. Voilà, de couper les fils. Mais je voulais vous montrer. Et là, je zoome. Que nous avons vraiment l'impression d'avoir déposé un plateau sur un autre. Il y a l'effet 3D, vous voyez. À la cam, on le voit très bien. Il y a un effet 3D. Cette partie ressort. Alors, nous arrivons au rang suivant. Et nous changeons de couleur. Couleur numéro 3, c'est-à-dire je reprends le gris. Alors, donc je me suis raccrochée avec ma couleur numéro 3 et je me raccroche dans la bride qui correspond, voyez, là où nous avons fait en relief, qui correspond aussi, qui va jusqu'ici. Et nous commençons avec une demi-bride. Et donc, je vais faire une maille en l'air ici et directement dans le même point, je fais une demi-bride. Alors la demi-bride, je fais un jeté, je pique, je ramène. Et j'élimine toutes les boucles. Ça, c'est ma première demi-bride. Dans la bride d'après, une autre. Donc, au total, ici, j'ai deux demi-brides. Maintenant, je dois faire trois mailles serrées. Un, après une et trois. Donc, trois mailles serrées, les unes après les autres. Ici, je vais faire 3 demi-brides. Donc une première, dans le point suivant, une deuxième, dans le point suivant, une troisième. 3 demi-brides. Parce que pratiquement là, dans ce tour, ce rang, nous allons rendre carré quelque chose qui est rond. Alors, 3 mailles serrées, 3 demi-brides. Ensuite, je vais faire une bride dans la bride d'après, une bride. Et ici, je vais former mon angle. Et mon angle est fait de 3 brides dans le même point. 1, 2 et 3. Là, j'ai fait, on va dire, une demi-séquence. Donc là, maintenant, on va faire une séquence en entier pour arriver à l'angle d'après. Donc, c'est ça qu'il faudra répéter. J'ai mon angle qui est fait de 3 brides. Ici, une bride dans le point d'après. 3 demi-brides. Première. Deuxième. Et troisième. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voyez, 3 mailles serrées. 3 demi-brides. 1, 2, 3, une bride. Et après la bride, je fais mon angle, c'est-à-dire 3 brides dans la même maille. Donc voilà la séquence de chaque côté. Vous avez ça. Donc je vais répéter. Je vais poser mon travail et je vais répéter. De chaque côté, vous avez 3 brides dans la même maille. Ça fait le coin. Après les 3 brides, vous avez une seule bride. 3 demi-brides, 3 mailles serrées, 3 demi-brides, une seule bride.
Voilà la séquence. Nous avons commencé avec deux demi-brides parce qu'il manquera la troisième qui se trouvera ici. Il fallait absolument faire coïncider ces points-là avec le centre. Vous voyez, on ne pouvait pas se raccrocher, on va dire, n'importe où. Il fallait se raccrocher comme ceci. Donc, vous avez ça. Vous répétez donc la séquence que je viens de dire ici. Vous répétez donc la séquence qui sera là et vous verrez, vous tomberez pile avec cette séquence, le coin, et vous verrez que vous tomberez ici. Vous tomberez parfaitement. Voilà. Donc, vous répétez. Vous répétez la séquence ici, la séquence ici et là. Donc, les trois, c'est, vous voyez, c'est le miroir ici. Donc, les trois, trois brides dans une maille. Ensuite, une seule bride, trois demi-brides, trois mailles serrées. Trois demi-brides, une seule bride et le coin. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc je termine bien évidemment avec une demi-bride et cela correspond à mes trois demi-brides ici. Et je vais faire une maille coulée dans la première demi-bride ici et je change de couleur. Je vais prendre la couleur numéro 2. Donc, je coupe, on se retrouve pour se raccrocher avec la couleur numéro 2, c'est-à-dire pour moi la couleur ocre. Voilà ce que ça commence à donner. Vous avez obtenu votre carré. Alors, pour le septième rang, le rang suivant, moi, j'ai pris la couleur numéro 2, c'est-à-dire le fil ocre. Et je vais, on va se raccrocher ici à l'angle. Donc, vous avez les trois brides. Nous allons sur la première. Sur la première bride. Donc, vous avez votre boucle, hein, toujours vous raccrochez comme ceci. Vous vous enfilez. Voilà la boucle et voilà, vous êtes ici. Alors, nous devons faire une bride ici, donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Sur la bride centrale de l'angle, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Donc, 1, 2, 2 brides, 2 mailles en l'air, deux brides. Donc ça c'est le coin, hein, c'est l'angle qui sera comme ça. Deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Ici, nous avons donc la bride qui suit. Voilà, donc nous continuons. C'est un rang de brides. Mais attention, à un certain moment, il y a une bride qui va être particulière. Et je vais vous montrer laquelle. Donc, nous continuons et nous allons nous arrêter à la troisième maille serrée. Donc, vous voyez, à la maille serrée, pardon, du centre. Vous voyez là les mailles serrées du centre, 1, 2, 3. C'est sur la deuxième que nous allons faire quelque chose. Donc là, j'ai ma première et je ne vais pas prendre la deuxième comme ceci, je vais rétrograder d'un rang. Je vais envelopper la bride qui correspond juste à la maille serrée du centre et je fais une bride en relief comme ceci. Et je continue mes brides pour ce rang. Donc vous avez compris en ce qui concerne le rang, uniquement des brides. Quand vous vous retrouvez en face, ici, voyez, quand vous êtes à la maille serrée du centre, vous enveloppez la bride et l'angle, vous faites deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. L'angle qui est exactement sur la bride de centre des trois brides d'angle. On se retrouve à la fin du rang. Donc, vous terminez avec une maille coulée et on se retrouve pour le rang suivant.
Alors, donc j'ai terminé ce rang. Je vous précise que ici, au total, de là à là, nous avons 17 brides. Hein, et nous avons inclus également la bride en relief. Ça, c'est pour vous donner des indications. Alors, je vais passer à la couleur numéro 1. Je vais me raccrocher. Donc, toujours pareil. Je fais un nœud coulant, comme ceci. Je laisse le nœud coulant. Je me raccroche. Alors, je vais me raccrocher à peu près ici, peu importe. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je me raccroche. Et je vais faire deux mailles en l'air, c'est-à-dire une demi-bride. Alors ensuite, dans toutes les brides que je vois, je vais faire une demi-bride, comme ceci. Et dans les angles, je fais deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Donc là, une, deux, deux mailles en l'air et toujours une, deux demi-brides. Et je repars. Attention, n'oubliez pas, celle-ci, il faut la faire, hein. On a tendance à oublier. Et voilà, donc vous avez compris, rien de bien difficile. Vous terminez, puisque nous changerons de couleur. Vous terminez avec une maille coulée ici. À tout de suite. Alors, nous passons au rang suivant avec la couleur numéro 3, donc pour moi le gris. Ici, je voulais vous préciser, vous avez 21 demi-brides de chaque côté. Alors, vous raccrochez dans un angle, comme ceci. Vous faites 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Voilà. Donc, dans l'angle, vous allez faire deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Donc là, nous sommes à la deuxième. Nous terminerons de l'autre côté. Ensuite, ici, nous allons faire sur la première bride une bride, une maille en l'air, vous sautez une bride et vous faites une bride dans la suivante. C'est-à-dire, nous commençons un rang de cases. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez une bride, pas celle-ci, l'autre, et vous faites des cases comme ceci. Donc vous séparez de une bride et vous avez une maille en l'air de séparation, comme ceci. N'oubliez pas de prendre la première, hein, qui est ici. En général, on a la fâcheuse habitude de ne pas la considérer, parce qu'elle est complètement collée à la aux deux brides du coin et on oublie. Donc faites attention seulement comme ceci. Voilà. Et puis vous tombez pile sur la dernière bride, comme ceci. Vous allez faire deux brides, deux mailles en l'air, deux brides dans l'angle. Donc 2, 1, 2 et l'angle. Et vous repartez avec, attention, elle est là, la première bride. Une maille en l'air, vous sautez une bride et vous faites et vous commencez à faire vos cases. Donc on se retrouve à la fin du rang. Alors, quand vous êtes arrivé à la dernière case, n'oubliez pas pour ce rang de faire les deux brides, deux mailles en l'air et vous vous raccrochez à la troisième maille chaînette du début qui se trouve ici. Et nous coupons le fil et nous allons prendre la couleur numéro 2. Alors, pour vous repérer au nombre de cases, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cases et ici 3 brides et ici 3 brides.
Voilà. Alors, nous prenons la couleur numéro 2. Alors, pour ce rang, nous allons nous mettre ici dans l'angle, comme ceci, vous tirez. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride, comme ceci, une bride. Ici, vous avez votre bride, la première, vous la faites. Ici, vous faites une autre bride. Ici, vous avez une bride, vous la faites. Et là, vous avez une case. Alors, dans la case, nous allons faire comme ceci. 4 brides dans la case. Donc, vous faites votre première bride, votre deuxième bride, troisième, quatrième. Donc, j'accélère un peu pour vous montrer. Ensuite, vous laissez une boucle. Vous allez prendre la première que vous avez faite. Vous prenez le brin, les deux brins, vous reprenez la boucle et vous faites passer la boucle. Alors j'ai perdu la boucle, je recommence. Voilà. Donc dans la première des 4 brides, vous prenez la boucle et vous la faites passer dans les deux brins. Et nous avons fait un point pop-corn. Une maille en l'air de séparation et nous recommençons ici l'opération pop-corn. Alors, une bride, une deuxième, une troisième, une quatrième, une belle boucle. Dans la première, comme ceci, les deux brins, vous prenez la boucle et vous la faites passer dans les deux brins et avec votre doigt, vous... Comment dire, vous formez une belle boule en relief, une maille en l'air de séparation et vous recommencez. Alors, quand vous avez des cases, vous faites les points pop-corn. Ensuite, vous faites, donc là c'est le dernier point pop-corn ici, une bride, une bride, une bride. Une bride dans l'angle, deux mailles en l'air, une bride. Donc cette fois-ci, dans l'angle, nous avons une bride, deux mailles en l'air, une bride, une seule. Voyez, nous avons commencé avec une bride ici. Alors, j'avance, je vous montre l'angle. J'avance avec mes pop-corns. À tout de suite. Voilà, donc vous avez terminé votre dernier pop-corn et vous faites directement sans maille en l'air la bride sur la bride, comme ceci. La bride sur la bride qui vient. Une autre bride ici. Et dans l'angle, comme je vous l'ai dit, une bride, une maille en l'air, une bride. Et nous repartons comme je vous ai montré. Ici, en début de rang, avec nos petits pop-corn. Nous terminons. Je vous attends pour terminer ce rang et nous sommes bientôt arrivés à terme de ce super granny. À tout de suite. Alors, vous terminez ce rang avec ici, dans le coin, une maille, une bride, pardon, une maille en l'air et vous faites une maille coulée. Dans la troisième maille chaînette qui était considérée comme une bride. Vous coupez la couleur, vous prenez la couleur numéro 1 et nous concluons ce granny. Nous sommes arrivés désormais à la fin de ce granny. Voilà, donc je vous attends pour la conclusion de ce superbe carré. Alors, pour ce dernier tour, nous allons nous raccrocher ici dans une bride. Voyez, dans la, nous avons des brides ici. Donc, vous prenez une bride vers l'angle, comme ceci. 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. 1, 2, 2 et 3. Ici, vous avez une bride. Vous la faites. Alors, je vais... Voilà. Ici,
Voyez, vous rencontrez votre point popcorn. Vous avez un espace ici, donc c'est là qu'il faudra faire la bride. Ensuite, entre les deux popcorn, une bride. Ici, vous avez, voyez, on le voit ici, cet espace. Il faudra faire une bride ici. Entre les deux popcorn, une bride. Et tout de suite, au popcorn de gauche, vous avez, comme le trou ici, vous faites une bride. Et vous continuez. On se retrouve pour l'angle. Je vais vous montrer. Donc, ça va être très, très simple. Voyez. Et comme ça, nous terminons. Donc, vous continuez. On se retrouve ici, mais vous allez voir. Rien de bien compliqué. À tout de suite. Alors, donc, j'ai terminé la bride dans le petit trou du popcorn. Et là, j'arrive, vous voyez, j'ai cette bride. Donc, je n'en fais pas une entre le popcorn et la bride. Je fais une bride dans la bride. Ensuite, celle d'après. Celle d'après. Donc, j'en ai quatre en tout. Parfait. Et dans l'angle, vous faites deux brides. Deux mailles en l'air, deux brides. Pour bien définir les angles, voyez, qui sont bien, bien, bien définis. Comme ceci. Ensuite, vous faites la bride. Attention, elle est là. Ne l'oublions pas, toujours, hein, ne l'oublions pas. Vous en avez quatre. Donc, vous les faites. Trois et quatre. Et ici, vous avez le trou du point popcorn. Vous faites une bride. Ici, entre les deux popcorn, une bride. Avant de passer, vous avez le petit trou, une bride. Et voilà. Et c'est le dernier rang. Et vous terminez par une maille coulée dans la troisième maille chaînette. Et nous avons terminé ce popcorn. Je vous retrouve à la fin. Voyez ? Il se tient tout seul et en plus, il est en 3D. Alors, je termine et on verra ce que ça donne. Alors, je voulais vous montrer une chose. J'ai toujours coupé mes fils au fur et à mesure. Et regardez ce que ça donne et regardez même l'arrière de ce granit. C'est impeccable, vous voyez ? Impeccable. Alors, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai terminé ce granit. 31 brides, 31 brides, pardon, de chaque côté, si vous voulez avoir cette information. Donc, j'espère vraiment que ce tuto granit vous a plu. Vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez décliner vraiment ce granit dans beaucoup de versions, des plaid. Vous pouvez aussi commencer une écharpe, le bout de l'écharpe, voyez, comme ceci. Et puis, vous pouvez commencer avec le point, éventuellement le point de mon écharpe Norvegia que j'ai faite sur ma chaîne ou d'autres points que je vous ai expliqué sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez vraiment adapter ce granit sur à beaucoup de projets. Voilà. Alors, c'est très amusant, c'est très joli. Regardez, regardez, l'envers ressemble vraiment à l'endroit. Hein. C'est très joli. Et c'est pour ça que vraiment on peut faire des plaids, puisque même si le plaid est un petit peu sur l'envers, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et éventuellement activer la petite clochette pour les notifications de prochaines vidéos. Je vous remercie vivement et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.